Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Bernard Arnault est un milliardaire français qui a fait fortune en tant que président directeur général de la plus grande société de produits de luxe au monde, LVMH. Au moment d'écrire ces lignes, Bernard Arnault a une valeur nette de 125 milliards de dollars. Sa valeur nette fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde derrière des gens comme Jeff Bezos et Bill Gates. Bernard Jean-Étienne Arnault est né le 5 mars 1949 à Roubaix, en France. Son père, Jean-Léon Arnault, était industriel et diplômé de l'École Centrale Paris. Sa mère, Marie-Joseph Savinel, était la fille d'Étienne Savinel, propriétaire de l'entreprise de génie civil Ferret Savinel. En 1950, Savinel transmet la direction de Ferret Savinel à son gendre Jean-Léon Arnault, le père de Bernard, puis lui cède également la propriété de l'entreprise. Bernard est diplômé de la meilleure école d'ingénieurs française, l'École Polytechnique, en 1971. Carrière. Après avoir obtenu son diplôme en 1971, Arnault a commencé à travailler dans l'entreprise de son père, Ferret Savinel, qui appartenait auparavant à son grand-père maternel. Il est devenu président de l'entreprise en 1978 et a occupé ce poste jusqu'en 1984. Alors qu'il était chez Ferret Savinel, il a contribué à éloigner l'entreprise de la construction et à se concentrer de plus en plus sur l'immobilier, ce qui s'est avéré être une décision commerciale réussie. Puis, en 1984, il rachète la société de luxe financière Agache, avec l'aide d'Antoine Bernheim. Il devient PDG de financière Agache, puis reprend également l'entreprise textile Boussac Saint-Frères. Boussac possédait de nombreuses marques et magasins, dont la marque de luxe Christian Dior et le grand magasin Le Bon Marché, et Arnault a vendu tous les actifs de Boussac sauf ces deux-là. En 1987, LVMH, un collectif d'entreprises de luxe dont Christian Dior a été créé, et Arnault a connu plus de succès que jamais grâce à son sens aigu des affaires. Le conglomérat a été formé à l'origine lorsque la maison de mode de luxe Louis Vuitton a fusionné avec Moët Hennessy en 1987. En juillet 1988, il a apporté 1,5 milliard de dollars et a formé une société holding avec Guinness pour capturer 24% des actions de LVMH. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le groupe Louis Vuitton allait essayer de racheter des actions LVMH pour former une minorité de blocage. Alors pour les contrer préventivement, Arnault a dépensé 600 millions de dollars supplémentaires sur 13,5% des actions LVMH. Cette décision fait de lui le premier actionnaire de LVMH. Il n'en avait pas fini cependant et en janvier 1989, il dépensa encore plus d'argent, cette fois 500 millions de dollars, pour acheter plus d'actions. Il contrôle alors au total 43,5% de LVMH's actions, ainsi que 35% de ses droits de vote. Utilisant son contrôle, il a bloqué le démantèlement du groupe LVMH, et a depuis mené le conglomérat à travers une transformation qu'il a positionné comme l'un des plus grands groupes de luxe de premier plan dans le monde. Sous Arnault, LVMH a connu une croissance massive. En 11 ans, non seulement les ventes et les bénéfices ont été multipliés par 5, mais la valeur marchande de l'entreprise a également été multipliée par 15. Bien que le conglomérat possède un grand nombre de marques, 75 au total en juin 2020, Arnault a continué à promouvoir une approche qui décentralise les marques, ce qui les aide à être considérées comme des marques et des entreprises indépendantes avec leurs propres histoires et histoires. Certaines des autres marques sous LVMH incluent Céline, acquise en 1988, Berluti, en 1993, Kenzo, en 1993, Guerlain, en 1994, Leveux, en 1996, Marc Jacobs, en 1997, Sephora, en 1997, Thomas Pink, en 1999, Emilio Pucci, en 2000, et Fendi, en 2001. Outre LVMH, Arnault a les doigts dans beaucoup d'autres tartes. Entre 1998 et 2001, via sa holding EuropaTweb, il investit dans plusieurs sociétés du web, dont Boo.com, Liberty Surg et Zebank. Par l'intermédiaire de sa société d'investissement Groupe Arnault, il a investi dans Netflix en 1999. Il a été annoncé en 2007 qu'Arnault, avec la société immobilière californienne Colony Capital, détenait 10,69% de Carrefour. Carrefour est le premier supermarché français et le deuxième distributeur alimentaire au monde. De plus, il s'est impliqué dans le secteur des yachts. En 2008, il a dépensé 253 millions d'euros pour acheter Princess Yacht. Ensuite, il a pris le contrôle de Royal Vanland pour presque la même somme d'argent. Arnault n'est pas que des affaires,
Cependant, il est connu pour son vif intérêt pour la collection d'art par exemple. Par l'intermédiaire de LVMH, Arnaud a parrainé des expositions artistiques en France mettant en vedette des artistes de renommée mondiale tels que le peintre abstrait Pablo Picasso et le pionnier du pop art Andy Warhol. Vie privée. En 1973, Arnaud épouse Anne de Wavrin, ils se sont séparés en 1990. Ensemble, ils partagent deux enfants. En 1990, il épouse la pianiste concertiste canadienne Hélène Mercier. Ils ont trois enfants ensemble. En 2019, à la suite de l'incendie dévastateur qui a endommagé la cathédrale historique Notre-Dame de Paris, en France, Arnaud et sa famille ont promis 200 millions d'euros pour aider aux efforts de réparation et de restauration. Bernard Arnault patrimoine détail. Arnault a tiré l'essentiel de sa fortune de Christian Dior, dont sa famille détient une participation de 73%. Christian Dior est propriétaire à 41% de la plus grande société de produits de luxe au monde, LVMH, dont la famille Arnault détient une participation directe de 5,7%. Il détient également 8,4% d'Hermès et des actions de Carrefour. En 2009, il cède sa participation dans la cave Cheval Blanc à LVMH pour 238 millions d'euros. LVMH a réalisé un chiffre d'affaires de 41,6 milliards de dollars en 2016. En juin 2019, la valeur nette de Bernard Arnault a dépassé pour la première fois les 100 milliards de dollars. À ce moment-là, il était la troisième personne la plus riche de la planète. En juillet 2019, sa valeur nette dépassait 108 milliards de dollars, ce qui le plaçait au deuxième rang des personnes les plus riches de la planète, environ 400 millions de dollars devant Bill Gates. De janvier à décembre 2019, la valeur nette de Bernard Arnault a augmenté de 36 milliards de dollars. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.